Et voilà, salut YouTube, j'espère que vous aimez bien déjà. J'espère que vous aimez bien ce live. J'espère que vous allez bien et j'espère que ça vous fait plaisir de retrouver Resident Evil 0 surtout, puisque on va continuer le labo et je suis pas confiant du tout. Donc on va commencer tout de suite, hein, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on était dans un labo qui ressemblait beaucoup à une bibliothèque avec des salles un peu bizarres. Hop! Oh, et merci Darae pour ton like. Donc on continue. Je suis mort un paquet de fois déjà dans le labo parce que je n'ai pratiquement plus de munitions, je n'ai plus d'objets de soins et il y a des ennemis un peu partout. Voilà. Est-ce qu'on se sent en sécurité là déjà? Bon, vous me direz, j'ai un spray de premier secours, je ferais bien de le prendre hein, en vrai. Merci pour le like, Upsi. Tu peux le faire, tu l'as déjà fait. Alors, c'est la première fois que je fais ce jeu, par contre. Hein. Là, ce jeu, je le fais vraiment en mode découverte. Mortal Cloud, merci pour son like. Attends, là, ça va être problématique par contre. Il y a un bouton appuyé dessus. Pas encore. Ah putain, je me trompe de bouton encore à tout va. Le stress est quand même un peu présent, hein. Alors là, par contre, faut faire attention. Là, concrètement, voilà, Billy, on voit ses pieds là. Moi, je suis juste au-dessus. Ça, je me souviens qu'il fallait faire ça. Sauf que... Oh non, c'est un... La porte est ornée d'un buste de Marcus. Il y a un espace à la base réservé à un objet... Il ressemble à une poire. Non plus, c'est drôle. Il manque une pièce, il est inutilisable. Voilà. Ah, la bonne nouvelle. Resident Evil 0. Bon, bah, ça fait une première mort déjà. Somebody help. I really need somebody, please. J'ai quoi comme objet, moi? Là, lui, il a rien. Et elle, elle a rien non plus. Allez, deux objets. Qui. Merde. Help me! Tu vois comment le help me de
Sayu, il n'est même pas sur la chanson qui s'appelle Help Me quand même. Et ça, personne n'en parle. Eh, c'est chaud en vrai, hein. Attends, il y avait aussi une porte que je pouvais pas ouvrir. Avec Rebecca. C'est bien à elle que je pensais en disant Help me. On a les mêmes références. C'est fermé, point. Alors là, ça va pas être possible. J'ai laissé quoi par terre là? L'attaché case dure à l'... Oui, mais j'ai pas de clé qui va avec en fait. Ça, c'est les salles avec lesquelles on a pu aller avec Rebecca. En vrai, c'est un peu obscur là. J'ai dû manquer des trucs. Je sais pas avec qui, mais j'ai dû manquer des trucs. Au moins, on sait de quoi ouvrir la porte. Hein? On va peut-être voir d'autres portes en fait. C'est l'espèce de clé en forme de... Ça me faisait penser au cristal de Crash Bandicoot. Mais l'espèce de porte qui était fermée avec une espèce de poire là. On a attaché case, je sais pas quoi en foutre moi. Là on a des munitions de fusil. Les munitions de fusil, ce serait bien de lui transmettre à l'autre là. En vrai. Il a plus aucune munition l'autre.
Merde. Je suis tellement habitué au contrôle de Resident Evil 1 HD que là je m'y fais pas quoi. J'aime bien la musique ici. C'était quoi ça déjà? Ah bah c'est la même c'est la même espèce de clé qu'il y a en bas. Substance verte est dans le mélangeur. Je sais pas ce que j'ai mis dans le mélangeur. Qu'est-ce que c'est? Substance verte. Elle semble capable de neutraliser les poisons. C'est l'équivalent des herbes bleues. Après, le truc, c'est qu'il faudrait peut-être que je prenne mon courage à deux mains et que j'aille voir dans l'autre salle là. On dirait un dispositif servant à évacuer le gaz de la pièce d'à côté. Il est vide pour l'instant. Faut mettre un truc qui pourrait quoi, contenir le gaz? Ok, on a ici c'est la rouge, la substance rouge, et si on mélange la verte et la rouge, ça forme un décapant. Ok. J'ai juste envie d'aller nettoyer l'évier, du coup, là-bas, je... C'est pas la première chose dont j'aurais envie là tout de suite si j'étais à la place de Rebecca, mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Et en plus, je peux pas faire grand-chose d'autre en fait. Un décapant qui permet de lubrifier certains matériaux. Est-ce que j'ai des matériaux qui ont besoin d'être lubrifiés?
Après, je pense que je ne peux pas le passer à. Je ne peux pas le passer à Billy, se décapant, donc c'est obligatoirement du côté de. Ah! Du côté de Rebecca. Croissance et sangsues. Ah oui. Ah, c'est peut-être le code dont on va avoir besoin en bas. 4, puis leur nombre a doublé, puis 2 en bleu, et la moitié de l'effectif. Merde! C'était bien le moment, ça, tiens. J'espère que vous croyez en moi, hein? Je sais pas s'il y a des trucs à lubrifier ici, mais il a l'air d'y avoir pas mal de machinerie. Après ça, c'est impossible de l'ouvrir. Est-ce que en la lubrifiant? Non. Oh non! Mais pourquoi tout à coup? Bah si juste. Ah oui, donc je me souviens plus qu'elle le dise dans Help Me, mais moi j'avais dans Resonant Blue. Pour moi, c'est surtout dans Resonant Blue qu'elle fait Help Me. Ouais, Evil, il est Evil. Ah oui, ça c'est clair. Non, mais bon, j'ai l'impression quand même qu'on avance. On a repéré les espèces de bonbonnes là avec les substances, les différentes substances. Le truc qui me perturbe, c'est que j'ai pas l'impression qu'on puisse jeter le contenu du mélangeur. Donc, du coup, ça voudrait dire que peu importe le mélange qu'on fait. Après, j'ai trouvé que deux bonbonnes pour l'instant, mais il y en a peut-être d'autres. Mais ça voudrait dire que peu importe le mélange qu'on fait, on peut utiliser le contenu tout de suite. Donc ça voudrait dire que le. Le contenu est utilisable tout de suite. Bon, tant que je viens du coup de mourir, j'aimerais bien voir si ici on voit des trucs. C'est vrai qu'il était là, lui. Des échantillons de sangsues. Appuie sur le bouton. Ouais. Une des capsules, lui. Vous ne pouvez pas transporter ça. Résonante. Je crois que c'est avec un A. Je crois que c'est avec un A. On va poser un truc par terre. Hein. Is it...
Ouais, je sais plus. Résonante, il me semble en effet. J'ai le souvenir qu'il écrit Resonant Blue. Aïe. Bon, ben voilà. Là, elle meurt. Donc, mort numéro 3. On va pouvoir se vider les poches avant de rentrer dans cette salle. Mais ouais, Resident Blue, ils l'écrivent parfois en caractère latin, et donc du coup, là on voit que c'est A, il me semble bien que c'est A. On met un compteur de mort. Là, le truc, c'est que je suis mort déjà un paquet de fois, faudrait qu'on compte toutes les morts que j'ai faites dans ce let's play pour qu'il soit accurate. Je sais plus taper. Oh, t'inquiète pas. Moi, je sais plus jouer. Je sais pas pourquoi. Toujours tard le soir, il y a deux coups comme ça. Toujours. C'est l'avantage de Pumpkin Jack, tellement. Hop là. La capsule à sens unique, c'est peut-être ça qu'il va falloir décaper. Allez. Oh non! Je sais pas comment elle a survécu. Mais lâche là, mais tellement. Et donc ça, si on l'examine... La capsule semble contenir un spécimen de sangsue impossible d'ôter le couvercle. Moi je dis que peut-être. Peut-être. Ça pourra se faire. Avec du décapant.